منذ تدشينها من طرف الملك محمد السادس عام 2010، شكلت الجامعة الدولية للرباط فضاء علميا أكاديميا يقدم نموذجا فريدا لمؤسسة علمية تتسم بالتميز وبصيت دولي تجاوز حدود الوطن. وتعد الجامعة الدولية للرباط من المؤسسات الدولية التي تعمل وفق اقتصاد المعرفة الذي يحاول تحويل المعرفة إلى قوة إنتاجية تحقق الازدهار للمملكة ولمحيطها الإقليمي. L'Université internationale de Rabat basait sa stratégie de développement sur la recherche et l'innovation pour impacter le développement local et régional. Pour cela, il a mobilisé un réseau de partenaires académiques et industriels de haut niveau, aussi bien au niveau national qu'à l'international, développer une stratégie nationale inspirée des bonnes pratiques à l'international. Aujourd'hui, nous avons mis en place un TTO, un bureau de transfert de technologies, un incubateur d'entreprises, et nous avons incité à la recherche appliquée. L'Université internationale de Rabat justifie aujourd'hui de plus de 300 brevets au niveau national, avec une soixantaine à l'international, et ces brevets connaissent leur voie sur le marché avec un transfert auprès des entreprises nationales mais également étrangères. Nous croyons fort que pour impacter le développement économique de notre pays, il faut faire appel à la recherche-développement qui aujourd'hui ne connaît pas l'élan qu'il faut. Tous les indicateurs sont pour la recherche et développement, il y a une prise de conscience et l'université a inscrit dans sa stratégie justement de devenir un modèle qui permet de démontrer qu'on peut faire de la recherche et développement au sein de l'université et qu'on peut transférer ces innovations au niveau de l'industrie locale mais également internationale. Et les produits que nous avons mis en place aujourd'hui, que ce soit des chauffe-eau solaires, que ce soit de l'éclairage vert intelligent, que ce soit le chauffage de la bitume, donc démontrent qu'on peut prévaloir que la recherche-développement au niveau du Maroc prend son envol. Alors les leviers sont bien sûr des leviers incitatifs. D'abord, il faut encourager les chercheurs, les doctorants à faire de la recherche-développement, à les soutenir financièrement, à leur ouvrir les réseaux de partenariat au niveau national et au niveau international, et aussi de mettre l'université au cœur des réseaux internationaux de recherche et d'innovation. Et dans ce sens-là, nous avons mis en place trois laboratoires internationaux associés avec le CNRS qui portent sur des thématiques d'intérêt pour le Maroc, comme l'énergie, comme le big data, comme les inégalités, mais également un laboratoire premier au niveau du Maroc et au niveau de l'Afrique, un laboratoire avec l'industrie automobile, PSA, qui nous permet de travailler la main dans la main avec des universités marocaines, mais également étrangères, pour développer la mobilité durable au niveau de l'Afrique. هنا في الجامعة الدولية للرباط تم إنشاء أول مؤسسة تقوم بالتحويل التكنولوجي بالمغرب، ويقصد به اكتساب المهارات والخبرات العلمية التي تتيح التصنيع. من مهامه تخويل المغرب إتقان التكنولوجيات وبالتالي تحويلها للشركات المغربية. C'est un projet qui permet de détecter ou de suivre l'état de santé du bétail. Nous avons un système qui est placé dans le parc où sont logées les vaches ou peu importe le bétail, et avec ce système on peut suivre leur état de santé lorsqu'il y a un problème de santé. Les capteurs prennent les données au niveau de chaque tête et envoient ces données dans le système. Le système analyse les données et en fonction de ces données-là, il décide s'il y a un problème de santé ou non. Lorsqu'il y a un problème de santé, il alerte l'utilisateur qui a une application qui est installée dans son smartphone. Il, peu importe l'endroit où il se trouve, il reçoit la notification et peut se déplacer, venir sur place et voir quelle tête a un problème de santé et intervenir pour éviter que la situation ne devienne grave avant qu'il ne soit alerté. Ça permet de réduire, dans le cas par exemple d'une épidémie, il sera très vite alerté et il pourra intervenir très vite par rapport à actuellement où on ne sait pas quand est-ce que les vaches sont contractées, la maladie, ou jusqu'à ce que ça se manifeste physiquement, l'animal est vraiment malade. هنا كاين ان سيستيم فوتوفولتايك لي ديستيني بور لاميليوراسيون ديال لو روندمون هاد لي بان دو سيرفاس لي عندنا هنايا فريمون ليميت ديال هاد لي بانو دونك اون ا بونسي ا فير تروا سيستيم alors un système avec double panneau incliné pour faciliter même le nettoyage et un système avec un tracker solaire
et le troisième système, seulement pour faire la comparaison entre un système fixe et les deux autres systèmes. Alors ce système-là va être branché sur des cartes électroniques. Ces cartes-là, c'est nous qu'on a développé. وباعتبارها أول جامعة تعمل وفق أسس الابتكار في مجال البحث حصلت الجامعة الدولية للرباط على العديد من براءة الاختراع كما حصدت ثلة من الجوائز العالمية ووقعت العديد من عقود البحث. Elle existe en fait un intérêt majeur porté sur les énergies renouvelables, à savoir l'énergie solaire photovoltaïque et l'éolien, voire aussi le solaire thermodynamique. Ici à l'Université internationale de Rabat, on a mené plusieurs travaux, projets, études de recherche qui visent vraiment la maîtrise du transfert technologique et développement d'un savoir-faire technique local ici au Maroc. إن الجامعة الدولية للرباط تشكل فضاء علميا فريدا يقدم تكوينا رفيع المستوى يدعم ويشجع البحث العلمي ولأن تطور المجتمعات يقاس الآن بحجم الاستثمار بالبحث العلمي لابد من تسهيل المصادر الإدارية ومواكبة ودعم الابتكار لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.